Véritable démonstration des forces pour Ecofoot Katumbi qui prend sa revanche sur les CS Nouveaux Talents dans un duel des promis dominé de bout en bout par les écoliers. Si la saison dernière, lors du dernier match en 2-2, Twite Mungalu et ses protégés réussissaient un 3-2, l'exploit n'était pas au rendez-vous pour Nouveaux Talents dans cette première confrontation de l'année en première division. Pourtant, au coup d'envoi, l'on pouvait s'attendre à un choc digne. Les écoliers ont prouvé le contraire, rendant l'explication encore plus facile. Alors que Moussa Koulima oubliait ses médiateurs habituels, les jeunes écoliers ont investi les milieux de terrain pour imposer le jeu. Panza est à la baguette, c'est la finition qui les trahit. Nouveau Talent éprouve d'énormes difficultés dans la réorganisation de son jeu. Viennent ensuite les tours de Kissima qui tente d'un tir puissant dévié par Louabeya qui sauve le meuble. C'est la première grosse alerte pour Ecofoot Katumbi. La défense adverse qui flottait rate le dégagement. Mouleka reprend la balle pour fusiller les portiers Louabeya du CS Nouveau Talent. Les écoliers prennent le contrôle du match. Les erreurs défensives se multiplient côté Nouveau Talent. Occasion pour Banza de se moquer de cette dernière. Après les dribbles contre un défenseur et les portiers, l'exercice du dépôt s'est fait comme aux séances d'entraînement. Okay. 2 à 0 pour Ecofoot Katumbi. La première moitié du match semble être compliquée pour Nouveau Talent qui a du mal à relever la tête. Ecofoot passe à côté du troisième but à 2 minutes de la pause. Mouleka manque de lucidité dans un duel avec Louabeya. Avec un retard de 2 buts à refaire, Nouveau Talent rentre au vestiaire à tête inclinée à la pause. Pas de changement à la reprise, c'est encore les écoliers qui se montrent entreprenants sur cette tentative des Bakafoua qui bute sur les portiers d'en face. Bakafoua récidive sur une nouvelle occasion alors qu'il pouvait rajouter un autre but. La machine des Nouveaux Talents presque arrêtée, Ecofoot a fait le jeu. La récompense de ses efforts fournis et ses pénalties obtenus après la faute de Dilonga sur Moulopoué, c'est Kalemboué qui les transforme. Nouveau Talent épuise son banc, mais le rythme reste presque le même. 2 à 0, Ecofoot Katumbi s'impose et prend sa revanche sur les CS Nouveau Talent.